Yo les Davis, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien aujourd'hui et vous êtes nombreux à me l'avoir demandé donc je suis très content d'enfin pouvoir vous le proposer. Mon deck Rocket Post Banlist, donc sans Link Cross évidemment. C'est un deck sur lequel j'ai pas mal travaillé et j'étais pas d'accord avec plein de versions que j'ai testées. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'aurais dû vous sortir cette vidéo là, mais voilà, au dernier moment, je le sentais pas et là je suis vraiment content de cette version là. C'est vraiment la version où j'ai le moins de taux de briques, où globalement ça sort les meilleurs boards avec lequel j'ai le meilleur taux de win rate et avec lequel je m'amuse le plus. Et je pense que c'est vraiment le plus important. Je sais pas si vous vous rappelez ou je sais pas si vous avez regardé ces vidéos-là, mais je vous avais parlé du fait que je ne m'amusais plus avec ce deck-là. Et avec cette version-là, bah, je retrouve un peu ce plaisir-là de jouer. Pas grand-chose à vous dire de plus. C'est vraiment une version que j'ai construite. Alors, c'est vraiment sur des bases de ce que j'avais déjà pu vous proposer avant. D'ailleurs, cette vidéo, j'ai l'honneur de vous l'annoncer. C'est le 9e deck profile depuis plus d'un an que je vous propose sur le deck Rocket. Donc, ce que je vous propose, voilà, tout simplement, c'est de passer à la vidéo. Si ça vous plaît, si vous avez des conseils, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le meilleur pouce si jamais vous allez jouer ce deck-là. Et puis surtout le petit abonnement, ça me permettra de me soutenir. On a passé les 8500 abonnés. Je suppose qu'en 2021, on passera les 10 000. Et rien que pour ça, ben, je vous remercie énormément. C'est parti. Ok, donc on va commencer avec le deck. L'Engine Rocket, on va jouer deux traceurs. Un rechargeur parce que l'effet de rechargeur est vraiment très très intéressant. Un Argent Rocket puisqu'on va jouer la Lien Désenchaîné. Donc la target Argent Rocket est vraiment très très forte. Et un Rocket Synchronique. Et globalement, c'est tout. On va vraiment jouer un petit Engine. Mais on y a très souvent facilement accès. Notamment du fait qu'on joue 3 lancements rapides. Donc ça veut dire que ben, globalement, si tu rajoutes l'absorbe sur routeur plus les 3 lancements rapides, eh bien tu as quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes sur 40 qui sont propres à l'archétype Rocket. Donc en soi, c'est quand même pas trop mal. La target Rocket Synchro, c'est tout simplement pour le petit Alki Fibrax. Et puis bah, les taux de traceur, c'est vraiment la carte que ta vie, t'as envie d'avoir soit en main de départ, soit d'aller tuto. Parce que bah, derrière, c'est Borel Savage quasiment à coup sûr. Donc très très intéressant. Le petit Absoruteur qu'on va vouloir défausser ou spé, puisque c'est une spé gratos si on a un Rocket sur le terrain. Et qui va tuto, et bien tout simplement le petit traceur. Et globalement, c'est tout pour l'Engine Rocket. Ensuite, on va jouer deux Noctovision. Pourquoi? Parce que il va se spé, si on spé un dark, on spé énormément de dark dans le deck, si c'est une carte qu'on a envie d'avoir en main de départ, mais on peut même essayer d'aller la tuto en fonction de ce qu'on veut avoir en main, bah, parce qu'elle fait vraiment des trucs super cool, et que bah, en soi, c'est vraiment une carte qui va te faire piocher par la suite, parce que si tu la spé, enfin, elle se spé si tu fais un dark, si tu l'utilises en matériel lien, elle te fait piocher 1, donc ça va même pouvoir protéger des chaînes, etc. Pas x3, j'ai longtemps hésité à la jouer x3, parce que x3, le problème, c'est que t'as pas envie d'en avoir 2 en main de départ, contrairement par exemple les deux traceurs, tu peux en avoir deux en main de départ, c'est pas un souci. Les Noctovisions, t'as pas envie d'en avoir deux, t'as envie d'en avoir un, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le jouer à deux. Ensuite, le Black Metal Dragon, c'est vraiment une des meilleures cartes du deck. C'est une carte que je jouais pas trop avant, et il s'avère que bah, ce deck là est un tout carte combo, et avec un Black Metal Dragon, c'est quasiment un one card combo, donc on va difficilement s'en passer. C'est vraiment une carte que tu as envie d'open, et tu vas même souvent la tuto pour faire du card advantage pendant le combo, et voilà, c'est normal, tu fais attaquant dessus, tuto, et voilà, c'est vraiment juste trop fort. Ensuite, on va jouer, c'est un petit peu la surprise, un seul Seyfert. Seyfert, c'est un starter. Le problème, c'est que Seyfert, c'est un starter qui va de temps en temps t'obliger à payer Seyfert lui-même comme cost. Si tu prends H là-dessus, t'as perdu. Donc le fait de le jouer que x1, c'est une carte qu'on va pouvoir tuto, c'est une carte qu'on va utiliser plutôt dans le grind game. Si tu l'as en main de départ, c'est pas un problème, tu peux t'en servir, mais x1 c'est suffisant je trouve. x3, x2, t'as pas envie d'en avoir 2 en main de départ, et alors si tu peux faire effet Seyfert, paye Seyfert de ta main, mais c'est voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé. Donc x1, c'est suffisant. Et franchement, j'étais un peu sceptique de lui de me dire que je vais jouer que x1. Et en fait, je trouve que c'est largement suffisant. Cependant, rien ne vous empêche d'augmenter les ratios en fonction des versions que vous jouez. Ensuite, bah, le petit Dark et Light, hein. Clairement, eux, ils font partie intégrante du combo, juste beaucoup trop forte. On va les tuto avec Espace KO et on va les tuto avec Seyfert. Voilà, ce spé fait du card advantage, c'est juste incroyable. Le petit Onibrotor qui est toujours dans le combo, même si c'est pas systématiquement lui qu'on va aller chercher, ou du moins pas systématiquement avec LP en fonction de ce qu'on a en main. Donc voilà, le petit Onibrotor qui va permettre de tuto n'importe quoi, qui est Dark Dragon du deck à la main. Donc juste super fort, mais voilà, x1 ça suffit et c'est pas spécialement cette carte-là qu'on va aller chercher systématiquement. Le Phalanx, on connaît, ça va avec Lance, ça va avec le package Romulus, ça fait partie intégrante du tout card combo, et voilà, c'est équipe en carte magie, tu peux le respect, et derrière c'est un synthoniseur, tu peux faire Fibrax qui ramène d'autres cartes, et c'est intéressant. Je suis content d'avoir enfin pu remettre mon Dragon Galaxy Spiral. C'est une carte qui pour moi mériterait largement une rareté très supérieure, puisqu'elle va permettre de faire des X68, et Dieu sait qu'il y a plein de X68 qui sont très très fortes dans le format aujourd'hui, mais voilà, le petit Galaxy, il va se spé du
du cimetière ou de ta main si tu as deux monstres dragon, dark ou light sur le terrain. Et il va pouvoir faire effet, transformer tous les monstres sur le terrain en niveau 8. Donc derrière, ça te fait des synchro 8, des X et 8 très très facilement. Et en pire des cas, c'est un extend. Le petit Levianir, alors lui, t'as pas forcément envie d'avoir en main de départ, mais tu peux le tuto avec avec Espace KO, avec Omnibrotor et avec Seifert. Donc en soi, c'est une carte qui va soit finir ton combo, soit venir bien simplement t'aider en green game, sachant que si elle est dans le cimetière, tu peux bannir Seifert, le rajouter à ta main, le respé. C'est quand même très intéressant. Le petit métallique sombre, alors évidemment, c'est la version sans Errata, mais en Secret Rare, elle est juste beaucoup trop belle. C'est la carte dont on a besoin, même si on... Voilà, c'est vraiment une version où on joue pas vraiment comme d'habitude, c'est-à-dire que tu peux te passer de certains combos qui semblaient absolument incroyables avant. Cette carte-là, on va souvent aller la chercher, notamment parce qu'on a envie de toucher le petit Black Metal Dragon, mais si tu l'as pas, eh ben c'est pas forcément ça que tu vas chercher avec. C'est-à-dire que tu vas plutôt des fois essayer de la foolish pour la respé avec le. J'ai mangé son nom. Comment il s'appelle? Enfin, c'est fou ça quand même. Le Pisty, avec le Pisty, plutôt que d'aller la tuto directement. Enfin voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que quand elle est sur le terrain, une fois par tour, elle peut respé ou spé un de ta main. Donc c'est juste très intéressant. Et on a fini pour l'Engine propre du deck. Donc on joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 monstres, donc moitié de monstres dans ce deck-là, c'est assez correct, je trouve. Au niveau des N-Trap, on est vraiment parti sur un package assez classique. Franchement, je suis parti sur 3 H et 3 Veiler. Alors, les H, parce que c'est vraiment la carte la plus générique du format aujourd'hui, elle est peut-être un peu sous-cotée, je sais pas, moi je la trouve vraiment très forte. H, tu peux la résoudre sur quasiment tout, et surtout contre quasiment tous les decks, donc franchement très content de la jouer. Et le petit Veiler, alors je vous avoue qu'au début j'ai joué des Imperm pendant très longtemps et en fait je me retrouvais souvent dans une situation où je pouvais pas jouer à cause d'Imperm parce que j'aurais aimé avoir autre chose à la place d'Imperm. L'avantage de Veiler c'est qu'il est light et que derrière nous on joue le Chaos Space, donc tu peux défausser Veiler et aller tuto n'importe quel dragon dark qui ne peut pas se spé. Donc, eh bien, tout simplement le collab ou le Levianir. Donc, ça reste quand même très très intéressant. Et si t'as pas besoin de les défausser, ça reste une très bonne N-Trap. Tu peux en avoir deux en main, tu peux la résoudre. C'est voilà, c'est quand même très très fort. Et c'est les N-Trap que j'ai choisi de jouer. J'en joue que 6 dans un deck de 40. C'est un deck qui ne peut pas se permettre de rentrer autant d'N-Trap que ce que l'on faisait avant. Donc 6, je trouve que c'est un bon ratio. 3 lancements rapides, je vous ai déjà présenté, SP1 du deck, c'est pas une fois par tour. 3 espaces KO, je vous ai déjà présenté de nombreuses fois. Défausse un dark, tuto un light, défausse un light, tuto un dark. Tu peux la bannir du cimetière, ramener un monstre banni et piocher une carte. Donc c'est vraiment un monstre banni qui ne peut pas être invoqué spécialement. Et c'est vraiment très très fort. Ça fait partie vraiment des meilleures cartes du deck que tu as envie d'avoir en main de départ. 3 Dragard, c'est la dernière que tu as envie d'avoir en main de départ parce que elle, ça permet entièrement le tout carte combo et du coup avec seulement 2 cartes de ta main tu fais vraiment full board. C'est vraiment l'une des meilleures cartes qui peut être jouée dans le deck. Si t'open un lancement rapide plus ça, c'est à dire que tu fais tout ton combo sans norme, donc ça veut dire que ta norme, si t'as une norme dans la main, c'est que du bonus en fait, tout simplement. Donc vraiment ça c'est les 9 cartes qui sont vraiment très très fortes dans le deck. Un lancement rapide, alors c'est vrai que je vous ai dit j'ai complètement bafouillé dans mes vieux deck profile que je voulais jouer absolument 2 lancements rapides pour pouvoir avoir du grind game. Et là je vous dis que c'est un deck qui va au grind game, c'est une version rocket un peu fun, etc. Et je ne joue qu'un seul lancement rapide. Pourquoi? Parce que t'as pas envie de l'avoir en main de départ. Et surtout dans cette version là, tu n'es pas obligé de péter ton terrain. Donc tu vas le garder sur le terrain. Et au mieux, tu vas le conserver. Au pire, il va se concentrer dessus et il va essayer de le péter. Et toi, tu vas pouvoir soit l'annuler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça lui fera des cartes en moins. Donc une seule, ça suffit amplement. Derrière on va jouer un ravin, c'est le petit package Dragunité, une lance et un ravin. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qu'on a envie de foolish, et en fonction des cartes qu'on a en main, on a déjà des extends suffisants pour pouvoir aller bien sur le 2-4 combo, Apolluza et compagnie. De toute façon je vais vous montrer le play juste après, mais voilà, la lance c'est vraiment très très fort. Si tu l'as en main de départ, c'est bonus, le ravin c'est bonus. En fait il n'y a aucune de ces deux cartes qui est une brique. La seule carte qui est une brique en main, et ça malheureusement on ne peut pas faire autrement, hop, j'ai mis mon deck à l'envers, absolument, tac, Il est juste ici. Voilà, le phalanx, malheureusement, si tu l'as en main de départ, lui, en l'occurrence, c'est une brique. Les deux autres, c'est ok. Genre, c'est juste, au pire, si tu prends H sur, si tu prends H ou Imperm sur Dromulus, c'est pas grave. T'as déjà la carte qui te fallait en main. Donc, ça, c'est ok. Un petit sanctuaire des dragons pour accentuer le fait qu'on envoie il y a quand même pas mal de cartes qu'on a envie d'avoir dans le cimetière. T'as envie d'avoir Absoluteur pour remonter un traceur à ta main. T'as envie d'avoir potentiellement un Seifert pour faire effet et ramener une autre carte à la main.
T'as envie de foolish ça pour pouvoir le respect avec Pisty. T'as envie d'en foolish ça pour pouvoir le respect sur le terrain. Potentiellement le petit Levianir pour encore une fois le ramener avec le Safer. Donc en fait, t'as pas mal de cartes que t'as envie d'envoyer au cimetière et qui te font repartir à elles toutes seules le deck complet. Donc on va se permettre de jouer, eh bien simplement, un Ravin, un Sacrifice Inutile et un Dragon Shear pour augmenter les chances. Sachant que Dragon Shear, ce tuto, en fonction de ce que t'as en main, tu peux te permettre très facilement d'aller le tuto. Donc voilà, 3 foolish du deck, le petit lance et on finit avec le petit monstre Reborn, parce que voilà, c'est un extone supplémentaire, ça fait que du bonus. Alors, l'extra deck, on va jouer 2 dragons attaquants. Alors vous allez me dire, ouais mais on joue un seul ravin. Oui, sauf que, admettons, tu as toujours ton terrain sur le terrain en roquette, mon lancement rapide, ton adversaire a pas mal de cartes en main, tu pioches un Octovision, admettons, tu vois. Tu ramènes un roquette de ton cimetière, avec un peu de chance, tu avais déjà ça au cimetière, donc il va se spé, et tu vas pouvoir faire directement ça dessus, donc spé le Noctovision. Enfin voilà, ça fait des trucs très sympas, honnêtement. De dragon attaquant, ça permet aussi, dans certaines situations, de faire cette loupe-là pour pouvoir spé dans une zone pointée. Donc voilà, 2 dragons attaquants, très honnêtement, c'est vraiment nécessaire, sachant que, admettons, l'adversaire t'empêche de spé du cimetière, par exemple. Eh bien, vous verrez pourquoi je vous parle de ça. Tu ramènes n'importe quoi, admettons que tu ramènes ça, tu l'utilises pour faire attaquant, effet attaquant, tu le pètes, et admettons que tu évêteras sur le cimetière, tu le ramènes à ta main, effet de ton terrain, tu le ramènes sur le terrain. Donc voilà, c'est des moves intéressants, c'est des moves dont tu peux pas te passer, et c'est pour ça que j'ai décidé de jouer 2 dragons attaquants plutôt qu'un seul. Honnêtement, un ça suffit dans 90% des situations, mais le deuxième, voilà, il prend un slot, mais est quand même très intéressant. Le LP, le Pisty, donc c'est vraiment les cartes que tu vas vouloir aller chercher très très souvent. Le petit Romulus pour équiper les deux cartes dont on a parlé juste avant. Le Délingereux qui va manger en fait souvent le LP et le Pisty pour pouvoir ne plus être lock en Dragon Dark. Et surtout qui, dès qu'un Rocket va être spé sur le terrain, va pouvoir se spé. Je me mets en position défense, va pouvoir se spé également. La petite sphère, alors on va la sortir moins souvent que d'habitude, mais ça reste une très bonne carte. C'est-à-dire que, admettons, tu prends un Nibiru par exemple. Tu arrives à remettre 2 dragons sur le terrain. Tu fais juste une sphère, l'adversaire il a plus que 4 cartes en main et toi t'as une carte qui va compulse. Donc voilà, ça reste intéressant. Admettons qu'il n'ait pas une bonne main à côté, bah, ça reste une très très bonne carte. Le Alkifibrax qui fait partie intégrante de ce combo là. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'Alkifibrax c'est une carte qui fait partie des cartes un peu cancer, mais sincèrement je trouve que c'est ok dans cette version là. Elle permet de jouer autour de certaines entrapes, elle permet de jouer et d'extone en fait le deck tout simplement de façon à ce qu'il soit ok. Apolluzza qui est vraiment l'une des meilleures cartes, on va la sortir souvent avec 2 ou 3 negates, mais surtout elle va sortir quasiment au même moment où on sortait Herald avant, quand tu pouvais pas jouer autour de Fibrax qui est fait après Herald. Donc en soi ça reste intéressant, puisqu'à partir du moment où tu poses Apolluzza, c'est-à-dire que souvent l'adversaire ne s'attend pas à ce que tu poses Apolluzza à ce moment là eh bien il ne pourra plus prendre d'entrap, ou du moins si tu ne pourras plus prendre d'entrap, du moins s'il le fait, bah tu pourras l'annuler 2 fois. Le petit Abomination, c'est pareil, on le sort pas souvent, mais si on le sort, franchement, c'est intéressant. C'est une carte qui est très forte au grand game, c'est une carte qui est très forte et qui va très très bien avec le numéro 23 qu'on joue également dans le deck. Donc voilà, c'est toujours sympa. Tu peux forcer son effet pendant le tour de l'adversaire avec un traceur sur le terrain en le pétant lui-même. Du coup, tu vas péter un sur le terrain, un à la end phase, un à la destruction. Enfin voilà, c'est vraiment très très intéressant. Le Sword, on peut pas s'en passer. Clairement, du Sword, c'est vraiment une des cartes. C'est une carte en fait qui se fait en grind game, en one card. C'est-à-dire que tu as ton Boris Sword dans ton extra deck. Tac, je vous mets ça là, je vous présente le reste après. Tu as juste de quoi ramener un traceur. Tu as déjà encore ton terrain puisqu'on va le garder la plupart du temps. Et il te reste un Rocket Level 4 dans le cimetière, dans le deck. Tu fais effet traceur, pète terrain. Spé rechargeur, effet Délingereux, respé ça. Et là, déjà, en une seule carte, tu peux aller chercher ton Boreal Sword. Et généralement, tu tapes, passes un monstre en position de défense de l'adversaire et retapes à nouveau. Bon, voilà, c'est en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de ce que tu peux faire. C'est vraiment une carte dont tu ne peux pas te passer, qui est vraiment. Et puis, ça reste une carte qui se fait extrêmement facilement dans ce deck-là. Donc sincèrement, c'est tellement fort que tu peux pas passer à côté, en fait, tout simplement. Le petit Berserker de Tenny, alors ça, c'est une carte, souvent, on va plutôt aller chercher le Savage, hein, mais le petit Berserker de Tenny, bah voilà, il reste vraiment très fort. C'est une carte qui va, si t'arrives à sortir lui plus Boreal Sword, bah c'est quasiment sûr que t'as gagné, parce que tu vas taper 4 fois. Voilà, c'est une carte qui va pas annuler un effet, mais quand un effet de monstre de l'adversaire va s'activer, tu vas pouvoir bannir la carte et il va pouvoir retaper. S'il te détruit un monstre, il va gagner son attaque, il va pouvoir retaper à nouveau un monstre, donc vraiment super fort. Le numéro 38, alors le numéro 38, c'est une très bonne carte qui va rediriger l'attaque sur lui. C'est une carte qui va annuler l'effet d'une magie et l'équiper directement, mais c'est une carte qui est light et c'est pour ça qu'on joue numéro 23, parce que c'est une negate, mais c'est une negate dark. Donc si tu es obligé de faire par exemple effet traceur pour lancer ta loupe, eh bien tu pourras toujours faire numéro 23. L'avantage et l'inconvénient de numéro 23,
c'est qu'il va obligatoirement negate la première carte qu'active ton adversaire. Donc si il sait pas jouer autrement, ou s'il démarre en une seule carte mais que c'est son seul combo pour démarrer, eh bien le numéro 23 va forcément l'annuler. Donc ça reste intéressant, ça reste une negate très sincèrement. On joue un 3ème X6 dans le side que je vais vous présenter juste après, mais voilà, globalement j'ai essayé de vous présenter le deck au complet. Et le side deck, du coup, on va jouer Lancea, parce que Lancea c'est vraiment une free win contre plein de decks. Dino, bah voilà, sur Lancea, il va limite dire pass turn, hein, clairement. 3 Nibiru, je décide de pas les jouer en main deck, et d'ailleurs j'ai une raison pour ça. C'est que le deck Rocket étant assez fragile par rapport à la version d'avant, eh bien j'ai pas envie de jouer, c'est pour ça d'ailleurs que je ne joue plus Gamma, je n'ai pas envie de jouer des cartes qui sont des cartes mortes dans ma main si jamais je go 1. Donc c'est pour ça que je ne choisis pas de jouer Nibiru en main deck comme je le faisais avant et comme je l'ai fait pendant longtemps, et bah Lancea c'est pas fort contre tous les decks, donc forcément, hein, forcément je ne le joue pas. Le petit numéro 68 qui est un X8 Dark, qui se verra très facilement dans ce deck là, et qui dit que l'adversaire ne peut pas spé de son cimetière, si je me trompe pas, attendez je vérifie ça. Gagne une sorte d'attaque pour chaque carte dans les cimetières, on peut détacher une carte jusqu'à la fin du tour, et aussi aucun joueur ne peut invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière, voilà, donc c'est bien ça, j'avais un petit doute, je savais plus si c'était comme Abyswaller ou si c'était juste spé, c'est bien juste spé, donc voilà, c'est vraiment, tu sors ça contre Datascape, tu sors ça contre Orcus, tu sors ça contre vraiment beaucoup de decks, et ben c'est quasiment une free win pendant un tour, donc c'est vraiment, on peut pas s'en passer. Un petit plumeau de Namarpi, vraiment une carte très forte, très content que ça soit été débanni. 3 Lightning Storm, 3 Ice Dragon Prison, c'est une carte que je vais rentrer, admettons, au Grand Game, si on est à 1-1 par exemple, et que je décide de start, je vais la rentrer pour pouvoir la poser et prendre de l'avantage sur mon adversaire. Et puis un petit Red Reboot pour terminer. Voilà, j'ai essayé de vous présenter toutes les cartes en vous donnant un maximum d'informations. Je vais essayer maintenant de vous montrer une main classique en mélangeant le deck pour vous montrer un petit peu globalement comment ça se passe. Et je vous mettrai un récap complet du deck profile qui s'affiche après. Et puis quelques replays contre des decks méta, contre l'IA, tout simplement des Dedo Pro, histoire que vous voyez un petit peu comment se défend le deck contre du Dragma, contre du Dragoon, etc. Pas grand chose à vous dire de plus. J'espère que ce deck là vous a plu. Si c'est le cas ou si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est vrai que je le dis pas souvent, mais la plupart du temps je lis tous les commentaires, donc si vous avez des messages à faire passer ou des infos ou ce genre de choses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je lis forcément, et si ça m'interpelle je vais forcément vous répondre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes, et je vous laisse pour la fin de cette vidéo. Ciao. Ok, donc je vous montre un terrain de base avec simplement deux cartes pour vous montrer un petit peu comment sort le deck. Normal Summon, j'utilise, je ne vais pas me servir de ça pour l'instant, je fais un attaquant, effet, je vais pouvoir aller chercher, donc là vous pouvez même protéger vos chaînes en fonction de ce qui vous arrange, le terrain Rocket et le Metallic Summon. Je vais bannir l'attaquant, je vais faire le Metallic, effet du Metallic, ramène le bébé. J'utilise tous les deux, tac, donc ça c'est les cartes que j'aime, hein. Pour l'instant on s'en sert pas. Le Romulus, effet Romulus, eh bien je vais tout simplement aller chercher ma lance, et alors le phalanx on va l'équiper du deck, mais là je vais le chercher pour gagner un petit peu de temps. Équipe lance à Romulus, équipe dragunité et spell phalanx. Là j'ai besoin de mon extern, donc j'utilise mon reborn tout simplement. Je vais reborn, peu importe, j'utilise celui-ci par exemple, je fais un fibrax avec, effet fibrax, je vais pouvoir aller spé le teneur level 1 rocket de mon deck. Là c'est intéressant parce que à partir du moment où je suis là, je ne peux plus prendre de entrap puisque je vais directement invoquer Appalooza. Et Appalooza, vu que ses annulations sont liées à son attaque, eh bien quand elle arrive sur le terrain, elle a déjà l'attaque, donc elle ne peut pas prendre d'annulation. C'est surtout intéressant parce qu'elle prend à trois endroits, donc à partir de maintenant, eh bien je peux faire facilement LP, effet LP, va chercher, qu'est-ce que je cherche? Moi je cherche le Brotor, voilà, va chercher Brotor. Brotor effet, je discarde n'importe quoi de ma main, je target LP, va chercher le Traceur. Utilise Brotor, spé Pisty, effet Pisty. Souvent, je vais aller chercher le petit Romulus. Je les utilise tous les trois. J'utilise LP Pisty d'abord pour faire un délingereux. Et ensuite, j'utilise le petit les deux pour faire la petite Abomination. Là, c'est intéressant parce que cette carte-là qui va péter des cartes, cette carte-là qui annule, et il me reste techniquement encore 3 cartes en main pour pouvoir extendre encore plus le deck. Et surtout, j'ai un lancement rapide, effet lancement rapide, spé traceur, effet traceur pète cette carte-là. Donc, généralement, c'est autre chose sur le terrain, hein. Là, je vais spé n'importe quoi de Rocket. Alors, pas souvent au rechargeur parce qu'au rechargeur, j'en ai besoin plus pour le grand game, mais chercher plutôt le mania. L'argent, pardon, je les utilise tous les deux. Savage, effet Savage, équipe le petit Fibrax. Et donc là, j'ai une, deux annulations, pète une carte tous les tours sur le terrain. Honnêtement, c'est assez sympa, sachant que techniquement, admettons que j'ai pioché 3 cartes supplémentaires.
Voilà ce que j'avais en plus dans la main. Donc ça veut dire que j'aurais pioché une carte forcément avec Noctovision. J'avais un Ravin. Ça veut dire que Ravin, eh bien, foolish le Galaxy. Et donc j'aurais dû finir, si j'avais eu ma main complète, avec eh bien, tout simplement soit cette carte-là, soit cette carte-là en supplément qui va péter ou voler une carte supplémentaire, annuler une carte magie piège. C'est juste magie piège, j'ai un doute, tiens. Juste carte magie ou l'effet activé sur le terrain. Bon, dans tous les cas, c'est une carte magie. Mais ça fait une negate en plus. J'avais un doute sur numéro 32, ça fait longtemps que j'avais pas joué. Mais voilà, c'était pour vous présenter globalement le deck, comment il tourne. Avec, là en l'occurrence, je rappelle, on est parti avec uniquement deux cartes en main. Voilà. Et ça marche avec énormément de deux cartes combo dans le deck.